Les amis, nous sommes de retour sur la survie Herobrine. Et il a des yeux bizarres lui, il fait peur le frérot là. Donc dans le dernier épisode, on avait construit un château. Non mais les gars, en vrai, on a construit littéralement... c'est un camp militaire ça. C'est pas une maison les gars. Je crois que j'ai augmenté un petit peu la render distance parce que... Bah, c'était un petit peu vraiment très très bas quand même dans les dernières vidéos. Alors je sais pas du tout ce qu'il faut vraiment faire là dans cette survie. C'est vrai que je commence un petit peu à tourner en rond. Il va falloir qu'on commence vraiment à se dire qu'est-ce qu'on fait quoi. Parce qu'on n'a pas vraiment de réel objectif à part survivre à Herobrine. Dans le dernier épisode on a tué le... Enfin, tué. Je sais pas s'il est tout à fait mort. Mais dans le dernier épisode nous avons tué le Cave Dweller. Vous avez vu que c'était pas le seul Dweller qu'il y avait dans Minecraft. Il y avait aussi un autre mob qui se nomme Dweller, mais je sais pas vraiment comment il se nomme vraiment en fait. Je pense que les amis on va retourner en grotte parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas été en grotte. Bon bah c'était quand même dans la dernière vidéo mais on va pouvoir voir si justement le Cave Dweller est mort ou pas. J'espère qu'il est mort et qu'il respawnera pas. Mais j'y crois pas. J'y crois absolument pas. C'est vrai qu'on avait construit ça dans la dernière vidéo. On avait construit une petite extension à la maison et qui est plutôt sympathique en vrai parce qu'on a mis la petite table ici et tout. Et j'avais bien envie de mettre justement les lits ici. Voilà. Ah oui, c'est ça d'ailleurs qu'il fallait que je fasse, c'est que je mette les lits ici. Donc, waouh. Ouf, le coffre il tabasse quoi. Ok, bon, j'ai tout mis dans les coffres les amis. Alors, voilà, ça c'est réglé. Alors, les deux coffres sont ici. Et à partir de maintenant, je... Qu'est-ce que c'était que ça? C'est lui qui est complètement taré et qui vient sur ma maison, quoi. Il est malade! Vous êtes fous! Ok, bon, on va pouvoir maintenant avoir une vraie maison, quoi. Est-ce que j'avais encore des échelles? Mais bien sûr, on va les mettre comme ça on pourra bien monter. Hop! Voilà, parfait. Ah oui, puis d'ailleurs, il va commencer à faire nuit, donc... Ah oui, d'accord, mais il pique mon lit, lui, à chaque fois, c'est pas possible. En fait, c'est sa maison. Vous savez quoi, on va régler cette histoire tout de suite de laine parce que ça commence à bien faire. On va faire des cisailles, voilà. Comme ça, on ira demain. Quoi? Hein? Putain, c'est quoi ça? Oh putain! Oh! Les gars, je vais crever! Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Oh! Mais il est là-dedans? Il est dedans? Oh la vache! Oh le flip! Mais je croyais... Mais il y a un problème là! Pourquoi est-ce que je vois super bien dans la nuit? Il va tout brûler! Non! Oh! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! What? Il a pété les portes! Oh le flip! Ah mais il est complètement malade! Ah ouais mais tout mon stuff a brûlé! Quoi? Heureusement que j'avais pas grand chose sur moi! Ah ouais! Herobrine est là en plus! Oh la vache! Ah, j'ai jamais vu un truc comme ça dans Minecraft hein! Bon je suis mort une fois les amis! Waouh! On va se refaire un stuff du coup! Oh le flip! J'ai plus de voix! J'ai plus de voix tellement j'ai paniqué quoi. J'aurais dû aller dormir. Donc ça c'est le Dweller que je vous parlais, voilà. C'est un truc horrible. C'est horrible, vraiment. Je sais même plus quoi dire là. J'ai perdu mes moyens carrément. Bon allez, on va dormir. Les gars, ça fait 10 minutes que je rec. 10 minutes que j'ai commencé la vidéo et je... Ok frère. Il est parti en courant le villageois. Bon, on va aller dans les grottes. Alors bon, là c'est en train... Je suis en train de me dire en fait que le Cave Dweller, il va revenir du coup. Hein. Je crois que ça va être la vidéo la plus flippante. Par contre, il m'a écrit un panneau. Tu ne peux pas ce cauchemar. Je pense qu'il voulait m'y mettre. Tu ne veux pas ce cauchemar. Ok, frérot, il fait des fautes en plus. Alors, c'est pareil, dans la dernière vidéo, il y a plusieurs moments encore où vous avez aperçu Herobrine et moi, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc... quoi. Bon, alors, on y voit un peu mieux dans les grottes. Oh, j'ai peut-être parlé trop vite. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite, les amis.
Alors, peut-être que je dis ça, mais oui et non, en fait. Parce que j'ai changé la luminosité de mon écran, donc c'est peut-être ça aussi. Ah oui, non, mais on n'y voit pas mieux, en fait. On n'y voit totalement pas mieux, c'est moi qui dis n'importe quoi. Ah bah, c'est là qu'on était la dernière fois. Faut que je me fasse un bouclier, c'est trop la merde, là. Je suis perdu quand j'ai pas de bouclier, moi. Bon, allez, on casse ça, on retourne dans les grottes, les amis, c'est parti. Et c'est là qu'on avait aperçu Herobrine, il me semble, hein. Ah oui, c'est totalement là. Ah, je suis revenu ici, let's go, c'était là, les gars. Ah, c'est dingue. Ah oui, c'était totalement là. C'était en bas, je m'en souviens. Ok, tout va bien. Alors, le fer, on en a. Il faudrait peut-être du diamant, ça serait cool. Du diamant serait cool. Ah, mais attendez, mais, wow, mais c'est super profond, là. Ah ouais, j'entends des bruits qui sont pas rassurants, mais voilà. Okay, espérons que le Dweller n'est plus là. Oh, un squelette sur une araignée. Les amis, l'ambiance est toujours aussi terrifiante. Même après... trois épisodes. Même si je m'y habitue un peu plus. C'est vrai que je m'y habitue plus. Je crois que le Dweller va pas revenir tout de suite, à moins que je parle trop vite. Mais vu que je l'ai peut-être tué juste avant, il va peut-être se calmer un peu plus. Ok. Bon, là, je crois qu'on est descendu un petit peu bas, là. Hein. Surtout que j'ai pas de charbon, en fait. J'ai pas de charbon, il faudrait au moins un peu de charbon. Alors, vous avez été plusieurs à me demander la partie 3, mais très rapidement, en fait. Et c'est vrai que j'ai un petit peu déconné pour la sortie des épisodes, mais malheureusement, j'ai un petit problème et je crois que je l'ai aussi pour cet épisode. Et j'espère que ça changera rien aux vidéos. Sur mon deuxième écran, où il y a OBS, justement, qui est en train de rec, je vois que il y a un gros bug, en fait, quand je tourne la caméra à chaque fois. Et j'ai peur que la vidéo bug tout le long. La plupart du temps, quand ça me fait ça, bah, ça bug à chaque fois, en fait. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que mes vidéos, à chaque fois, elles bug quand je tourne une nouvelle vidéo ou quoi. Pardon ? Ok. J'ai compris, frère. J'ai compris. Ah, pitié. Alors, j'étais en train de vous dire que mes vidéos buguaient. Voilà. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. J'ai plus envie de jouer. J'ai plus envie, les gars. J'ai plus envie. Mais non, mais c'est juste infernal comme jeu. Ah, je m'en fous, je le marave. Hé hey, le Dweller, viens, y a pas de problème. Viens. Je te promets, je vais rien faire. Je vais rien faire du tout. Il était là, hein. Il était là, j'allais descendre, en plus j'étais prêt à descendre. Hein. À mon avis, il a spawn par là-bas, parce que j'ai entendu le bruit là-bas. Ouf. Ouh. Faut pas faire ça, hein. Hé hey, faut pas faire ça. C'est pas bien. Là, vous me faites peur. Bon, je crois qu'on va remonter. Ah oui, mais il y a totalement la surface. Attendez, je crois juste que c'est un bug, en fait. On voit la sortie, mais c'est pas la sortie. Les amis, je commence à flipper. En ce moment, avec mon PC, je ne comprends pas, mais la plupart de mes vidéos... Dès que je fais une vidéo, en fait, sur Minecraft, ça bug. Le rendu est infâme. C'est horrible. Ça sert à rien. Et je suis dégoûté, et je fais plus de vidéos. Et voilà. Vous comprenez un petit peu, je passe dans une situation compliquée, les amis, d'accord ? C'est vrai qu'à chaque fois que je tourne une vidéo... Ok, là c'est la merde, là. Là c'est la merde, là. Là c'est la merde. Je crois qu'on va remonter. Oh ! What the fuck, ça m'a fait peur. Donc ouais, c'est une période assez compliquée pour mon PC. Je sais pas si je vais continuer encore longtemps comme ça, dans cette situation. Alors... J'ai un vrai dilemme. Est-ce que ça vous dérange? Et je vais d'ailleurs en faire un vote sur la section communauté. Est-ce que ça vous dérange qu'on continue Minecraft sans shader? Voilà, les vidéos Minecraft sans shader. Je ne peux plus rec avec les shaders, en fait. Et dès que je rec avec les shaders, mon PC, il pète un câble. Blue screen, les vidéos OBS qui freeze et tout, c'est horrible. Par moment, j'arrive à le mettre. Donc, par moment, je pourrais peut-être le mettre. Donc, les amis, dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange qu'on continue Minecraft sans les shaders. Parce que si ça vous dérange, bah, je peux plus faire de vidéos, là, ça veut dire. Mais moi, ça me dérange, en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est que ça me dérange et je me dis, bah, je pourrais faire mieux, tu vois. Et au final, bah, ça a fini que je fais rien. Je fais rien, finalement. Je fais rien parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Donc voilà, ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous en pensez là-dessus. Et si ça vous dérange pas, on continuera comme ça, tant pis, hein. C'est le douleur, ça.
Ah, j'adore. J'adore le délire là. Alors, comment remonter là? Parce que là, c'est la galère là. Putain! Putain! Ah, je vous jure, ça va pas là. Hey! On va boucher, hein. Je sais pas s'il peut casser. Ok, ok, on est revenu. C'est bon, je vois où on est. J'étais passé par là. Let's go. On rentre. Faut se barrer de là. J'ai encore entendu les bruits de pas d'Herobrine. J'ai l'impression que ça devient de pire en pire, en fait. C'est bon, j'ai trouvé l'endroit. J'ai l'impression que ça devient de pire en pire, je sais pas vous. Herobrine spawn de plus en plus. Le Dweller, il pète un câble, mais complet, quoi. Et le pire, c'est le truc qu'on a vu, là, tout à l'heure, là, qui m'a tué. Waouh, la dinguerie. Et je crois qu'il fait nuit, par contre. Oh non, il fait nuit. Oh putain. Et vous savez ce que ça veut dire s'il fait nuit, hein. On s'est fait avoir une fois, hein. On va probablement se refaire avoir, c'est ça le pire. Bah, faut bien remonter, hein. Je crois qu'il faut pas le regarder, en vrai. C'est peut-être comme SCP, je sais plus quoi, là. Faut pas le regarder. Ok, on rentre, on va dormir instantanément. Alors, on n'a rien trouvé dans les grottes. C'est génial, on y a été pour rien du tout. Mais on a bien flippé, là. On a bien flippé. Ok, bon, c'est fait. On a dormi, les amis. C'est moi où il fait plus sombre. C'est bizarre, ça. Je savais pas qu'il pouvait écrire des choses. J'ai l'impression qu'Herobrine, ouais, comme j'étais en train de vous dire, il devient de pire en pire. Bon, je suis un petit peu sous le choc. Donc, je sais plus trop ce que je dis, je sais plus trop ce que je fais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce qu'au moins, là-bas, je pourrais vous prévenir directement quand il y a une galère. Et c'est vrai que bah, la plupart n'est pas sur le Discord. Mais là... Bah, arrête, putain... Arrête. Donc voilà, rejoignez-moi dans le Discord, les amis. Dans le Discord, comme ça, je pourrais vous prévenir directement quand il y a une galère et tout. Je pourrais faire une annonce et vous dire, là, c'est chaud, tu vois. Mais normalement, ça devrait le faire. Je vais essayer aussi de réparer mon PC. Arrête, j'ai dit. Arrête. Arrête de faire ça. Frère, t'es chiant. Vas-y, là, il vit que pour les caméras, lui, c'est fou. Herobrine nous a fait savoir qu'il était là, il a quand même spawn 3 fois de suite. Bon, je crois qu'il m'aime bien. Je n'ose même pas imaginer le nombre de fois qu'il doit spawner derrière moi et que je le vois pas, en fait. Oh, les sourcils. Le mono-sourcil qu'il a. Oh, la vache. Ah ouais. Mais attends, reste là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais attends, mais ils sont tous comme ça. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Ils ont tous un mono-sourcil. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu explorer. Je l'ai déjà fait, on était déjà parti là-bas. Il y avait rien d'intéressant, on va partir là-bas cette fois-ci. Ah non, attendez, je me suis trompé. Je crois que c'est là-bas que je suis parti. On va partir là-bas. Parce que là-bas, je sais que je suis jamais parti. Donc, on va y aller. On va aller là-bas. Parce que je viens de voir Herobrine. Je vois des choses. Ouah, c'est terrible. Herobrine vient de courir littéralement là, sur la dune. La grotte de malade. Ouais, par contre, on voit pas grand-chose en bas. C'est tellement loin et grand que on voit rien. Ah, les grottes sont dingues, hein. En fait, j'ai pas envie d'y retourner dans la grotte. Alors, ça peut être un vrai truc intéressant à faire. Je pense qu'on va le faire. C'est aller chercher le diamant. Il faut qu'on soit quand même stuff diamant, les amis. Je peux pas me permettre de continuer cette survie en stuff fer. Cette grotte, elle m'intéresse, hein. Cette grotte, elle m'intéresse de fou, hein. Mais je me dis, on verra peut-être dans le prochain épisode pour aller chercher le diamant, hein. J'ai pas spécialement envie de retourner dans les grottes après ce qui s'est passé, quoi. J'aime bien, tu vois, rester chill encore un peu avant de retourner dans les grottes. Et en plus, il va faire nuit, donc il faudrait peut-être qu'on rentre rapidement, là. Bon, ça a servi à rien au final qu'on bouge. Herobrine a construit un petit temple. J'ai l'impression qu'il sait faire que ça, par contre, hein. Oh, j'ai pas mon lit. Quoi? Pourquoi j'ai pas mon lit? Oh, je l'ai reposé. Oh, quel abruti. Oh, j'ai pas mon lit. Faut vite qu'on rentre. Je pense que vous savez pourquoi il faut vite qu'on rentre, hein. Vous avez compris maintenant. Par contre, ça c'est bien, c'est qu'on arrive tout de suite au village, mais je commence à vraiment paniquer là. Mais elle est horrible cette survie, elle est horrible, vraiment, elle est horrible. Et je vais mettre un petit peu au-dessus pour voir, parce que c'est vrai qu'on a construit notre terrasse et on n'y va pas. Au moins on peut voir un petit peu ce qu'il y a au loin. C'est la fin de cet épisode, les amis. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose dans cet épisode, mais les amis, tout va commencer à partir du prochain épisode. Nous allons aller chercher le diamant
Et je pense que ça signera, je pense, peut-être la fin de l'aventure, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans cette survie, et c'est un petit peu compliqué de trouver des choses à faire. Ou alors, si vous avez des mods à me donner dans les commentaires, n'hésitez pas, je prends tous les mods, je m'en fiche, je les prends tous. Si vous me trouvez des mods de Five Nights at Freddy's, des trucs vraiment, allez-y, il n'y a pas de souci, tout ce qui est mod horreur, tout ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me les dire dans les commentaires ou me les donner directement sur Discord. Et en tout cas, les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. On arrive bientôt aux 2000 abonnés. En plus, c'est incroyable. À liker cette vidéo. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!